Alors bonjour les amis, je vous montre un bijou dans votre laboratoire et je vais beaucoup plus m'attarder sur celui-là. Alors quel nom vous voyez là-bas? C'est le Gene Expert, c'est l'appareil qui permet de manipuler les échantillons de tuberculose, des échantillons de VIH à la recherche donc de dépistage précoce. De manipuler même la COVID, cet appareil là permet de faire beaucoup de choses et c'est un bijou, carrément c'est un bijou. Et ceci c'est le Gene Expert 4 modules, il est très bon comme appareil. Si tu veux savoir à quoi il sert, hein, quel est son rôle? En fait, ce que vous voyez, c'est une chaîne, hein, c'est l'appareil Gene Expert et cet appareil est combiné à un laptop, à un ordinateur. Donc, toutes les informations rentrent dans l'ordinateur et en même temps, c'est le boss qui va manipuler, qui va faire tout ce qui concerne donc la PCR. C'est une polymérisation, tout se passe dans l'appareil et il est très cool. La manip est très cool. Comme vous le voyez, je vais essayer de manipuler un peu un échantillon. Vous allez voir. Voilà. Ok. Donc, il me demande de lire les codes barres. Je vais lire le code barre. Voilà, j'ai lu le code barre. Alors, je vais introduire les informations du patient. Je vais introduire les informations du patient tout simplement. Et le numéro, oui, de l'année telle. Et je vais mettre le nom du patient. Je vais mettre le nom du patient. Et voilà. Voilà. Et une fois le nom du patient mis, donc je clique sur ici le bouton démarrer. Une fois que je clique sur le bouton démarrer, on me demande de mettre donc le mot de passe, mon mot de passe. Voilà. Une fois le mot de passe introduit, je mets sur OK. Et il me signale ici donc le module dans lequel je dois introduire. Vous voyez là où ça clignote là, il me dit de mettre donc le truc dans le module pour pouvoir passer. Donc une fois que tu as mis, tu appuies comme ça et immédiatement l'appareil commence par décompter le temps et au bout d'une heure trente minutes, vous avez donc le résultat que vous pouvez lire. Donc ainsi présenté un peu donc de façon globale donc l'appareil qu'on appelle le Gene Expert.